Et si aujourd'hui on faisait un méga parc d'attractions? Comment ça va ma chère Chachou? Ouais, ça va très bien et je suis bien prête à être plus riche que toi par contre. Ah ouais, toi tu penses direct à l'argent par-dessus l'amusement? Moi je suis surtout là pour m'amuser dans cette vidéo, les gars. Et on va quitter tout de suite ce petit chouchou parce qu'au final c'est pas ça qui va nous permettre d'évoluer. Aujourd'hui donc on fait un amusement park tycoon. L'objectif c'est quoi? C'est de construire notre propre parc d'attractions. Bien sûr on sera en concurrence, donc là je serai en concurrence avec Chachou du coup qui est d'ailleurs nouvelle sur la chaîne, et on va essayer juste de la fracasser à la loyale, c'est ça, c'est tout simple. Oh, alors t'es plus là pour t'amuser d'un coup, hein, comme par hasard. Ouais, je révèle ma vraie nature. En réalité les gars, je veux gagner cette vidéo, et là j'ai, voilà, j'allais dire mon parc d'attraction il était pas en bon état, mais c'est bon, je viens de le réparer. Par contre c'est mon parc hein, Chachou, donc tu vas devoir t'en trouver un autre. Allez, tu peux partir. Allez, ciao. En plus il y a, ta statue gigantesque en disant que t'es la plus riche du serveur. Ça va pas du tout ça, donc on va vite changer ça. Pour ça, on peut déjà s'acheter notre première attraction qui s'appelle Hot Wheels. Et wow, ok, c'est déjà très stylé. Wow. Et pour la prochaine attraction, il faudra 1000$, sachant qu'on en gagne actuellement 20 par seconde. C'est écrit juste à gauche. Et ouais, j'ai que 200$ actuellement, donc peut-être qu'on peut... Oh, t'es plus riche que moi maintenant. Et ouais, c'est pas juste. Ouais, je suis plus riche et ouais. Et je vais devenir encore plus riche parce que je vois qu'il y a un bouton juste ici avec écrit Ride. Et si je le fais... Oh, ok, je peux participer directement à l'attraction. Et grâce à ça, ça me fait gagner 50$ toutes les quelques secondes. J'ai l'impression que c'est à chaque fois que je fais un tour de l'attraction, ça me fait gagner 50$. C'est parfait, les gars. Et grâce à ça, on est déjà à 1000$. Donc je quitte l'attraction. Et oh, bah attendez, pourquoi il y a des poubelles? Attendez, il y avait des déchets dans mon parc d'attraction. Ça, c'est par contre pas très cool. Hop là. Et grâce à ça, je peux m'acheter un petit portail à 1000$. Mais à quoi va me servir? Je sais pas exactement. Et ensuite, grâce à ce portail, je vais pouvoir y rentrer, j'imagine. Mais je vois que juste ici je vais pouvoir m'acheter déjà un prochain objectif qui est, ok, c'est la suite du parc que je viens de déverrouiller juste là. Donc ici par contre ça coûte 15 000$. Ici ça en coûte 2 000 pour avoir de quoi avoir de la nourriture. Ici Super 8, c'est sympa. Ça c'est une attraction supplémentaire qui coûte 20 000$. Et ici je peux me faire acheter un Rocket Ride pour 6 000$. Autant vous dire qu'on a... Quoi? Attends, t'es rentré dans le portail pour ça? Oh non, il y a des moutons! Attendez, mais j'ai pas d'armes! Ok, vite, je m'en achète une! Vite, oh mais t'es là, Chachou! Vas-y, je te sauve, tu peux acheter une arme juste là! Vas-y, parfait! Ok, mais incroyable! Il y a des centaures qui nous. Des minotaures qui nous tirent dessus! Eh, ils m'ont mis mal! Ah ouais, t'as combien de points de vie? 141 maintenant! Ah, bah t'en as plus! Oh la... Non, je suis désolé! Non, en fait, viens, non, non, mais viens, on signe un traité de paix comme ça, on se dérange pas pour la suite de l'aventure. Sinon, ça va très vite partir en couille. What? Attends, pourquoi j'ai perdu moins 10%? Ah, mais c'est pas mon parc ça! Mais attends, j'ai pas. Alors, Chachou, on retrouve pas son parc? Mais je sais pas si je suis chez quelqu'un ou si. Non, c'est chez moi ça. Par contre, je retiens la trahison. Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Oh, attends, faut nettoyer le parc, sinon on perd des pourcentages. Vite, vite, vite! Faut que je rentre à la maison, vite! Ok, donc là, je suis de retour. Et là, bam, ok. Donc en gros, on a des ordures et quand on a des ordures dans notre parc, ça nous baisse notre productivité. Donc là, j'ai bien fait de vite éviter ça parce que sinon ça m'aurait coûté cher. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a plein de gens dans mon parc. Crois-moi que je suis bien en train de gagner. Bon, même si je suis pas la plus riche. Mais là, il y a plein de gens dans mon parc. Et crois-moi. Mais attends, mais moi j'ai seulement 6 personnes. T'en as combien toi? Attends, déjà, je m'achète des petits bancs. Voilà, comme ça les gens peuvent s'asseoir et manger tranquillement. Par contre, je suis ruiné là. Mais t'as combien de personnes dans ton parc, tu dis? Ah oui, je suis à 2000. Mais comment on voit, c'est écrit où? Oh, mais attends, mais j'ai un ennemi. Non, mais non, par contre, commence pas à me tirer dessus. Je vais te fracasser. Il m'a tiré dessus. Voilà, bah meurs par les zombies, c'est ça. Mais non, mais moi je vois les personnes qui sont dans mon parc juste parce qu'il y a des PNJ quoi. Il y a plus ou moins de personnes. Mais moi, il y en a beaucoup là. Mais il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attends, t'en as 11, 12. Quoi? Faut que j'aille voir ton parc parce que là, j'ai 13, 14, 15, 16. Ah non, tu rentres pas chez moi. Non, en non, non, mais je dois voir ton parc. J'essaie de comprendre comment est-ce que t'es dans cette situation où t'as autant de personnes. Eh les gars, vous voulez pas plutôt venir dans mon parc là au lieu de faire la tête avec les zombies? Je suis trop... Attendez, mais j'ai encore un problème avec mon parc. Faut vite que je nettoie l'ordure, vite. Attends, est-ce que je peux la tirer à distance? Ah oui, c'est parfait. Et il est sale ton parc, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il est sale, hein. C'est ouf. N'allez pas chez Nightmare, les gars, c'est sale. Tu fais trop la maline. Attends, je vais venir chez toi là. T'es parti où, à gauche ou à droite? Parce qu'en même temps, je suis quand même le mec le plus riche de ce serveur. À gauche de toi, je crois. Allez, plus maintenant, regarde. Comme par hasard. Hop là, nouvelle attraction. Venez, nouvelle attraction chez moi. Mais quoi? T'as une fusée?
Mais par contre, c'est sale chez toi, ma cocotte, là. Ouais, ouais, bah ça vient de venir, c'est pour ça, regarde. Hop, petit coup de balai. Non, non, je rigole, c'est une blague, c'est une blague. J'ai aucun shoot. Ah oui, bien vu, on va là-bas. Ouais, je rentre surtout chez moi, là, hop, là. Et maintenant, faut vite que j'avance, les gars, parce que je me suis fait surpasser. En fait, j'étais en train de farm des zombies, mais en fait, toi, tu faisais des tours d'attraction en boucle, hein, c'est ça? Non, même pas, en plus. Mais comment t'as fait pour gagner autant d'argent? Mais c'est un secret, je ne peux pas te dire, Nightmore. C'est le business. C'est business, mais business, frérot. Je vais venir chez toi et je vais te buter, on verra c'est quoi le business. Balance-moi les astuces, là, hé. Hey, mais il y a un autre mec. Il y a un deuxième mec qui nous a rejoint, les gars. Comme ça, on sera avec une deuxième concurrence, même si je pense pas qu'elle sera à ma hauteur. Pardon? Quoi? Ah oui, d'accord, donc les nouveaux, tu les élimines comme ça. Toi, t'es comme quoi ça. Quoi? Hein. Non, c'est pas vrai. T'as aucune preuve. J'ai vraiment le chat comme preuve, quoi. Ok, bon, allez, achetons-nous un magasin de nourriture. Ah bah voilà, là, on a du monde. Oh là là, et puis même ici. Ah mais voilà, c'est pour ça que t'as autant de monde. Fallait acheter de la nourriture. Exactement, la nourriture fait tout, les gars. Voilà, et j'espère qu'il y a du poulet à vendre là-dedans. Alors, on a des pizzas, des hot dogs, des omelettes, des glaces et du soda. Alors, il n'y a même pas de quoi acheter du poulet, je suis dépité. Clean up. Par contre, tu sais que je vois à distance ton attraction. Elle est trop stylée, il me la faut. Alors écoute combien? Eh ouais. Roquette machin là, écoute 6000. Allez, vite, donnez-les moi là, il me manque quelques centaines, s'il vous plaît. Allez, moi il me manque plus que 100 et j'achète un pass. Je sais pas ce que c'est un pass, mais on va voir. C'est un pass, je crois que c'est un chemin pour gagner de l'argent et tout. Qu'est-ce que j'ai installé? T'as installé un nouveau truc déjà? Il est plus grand maintenant mon truc. Watch Tower, allez les gars, c'est parti, on va farm des pièces maintenant, c'est parti. Ouais, attends, ça va pas du tout là, je me fais devancer, faut vite que j'aille acheter ma nouvelle attraction déjà. Ah, y a les ennemis qui nous tirent dessus. Eh, c'est devenu des méchants, hein. Quoi? T'as qui? Ah, le... Mais... Le mec qui était... Eh, regarde, il me fait une danse. Eh, j'espère qu'il meurt, moi je vais me venger, viens, on va se venger. Après, à la base, c'est toi qui l'as attaqué, quoi. Bon, moi j'ai ma nouvelle attraction par contre, donc avant de me venger, je vais la tester. Et wow, oh, ça fait tourner la tête là. Ouais, j'ai la tête qui tourne. C'est quoi ce bordel? Ça va dans tous les sens. Alors, Nightmore, on n'est plus l'homme le plus riche du parc? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, mais attends, t'as 35 000 $ là? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Nightmore? Il y a une petite baisse chez toi, les gens ils n'ont plus envie de venir parce que tu voulais acheter du poulet. Mais moi je veux acheter du poulet, pourquoi? Tu veux défendre la Team Wig là? Non. T'as un petit problème, non? Les gars, comment on achète des bananes ici, s'il vous plaît? Eh les gars, s'il vous plaît, vous pouvez me dire comment on achète des bananes? Quoi? Ouais. Quoi? Okay. J'ai entendu là. C'est quoi ce bordel? Comment ça acheter des bananes? Non, mais c'est pour faire. C'est pour justement les aligner, pour faire une petite déco. Non, et les après, gars, je peux pas les manger, je les peux gars. Pas laisser un ennemi. Je peux pas laisser un ennemi gagner comme ça. Allez, faut vite que je m'en sorte et que j'améliore mon parc. Mais déjà, on va clean les ordures là parce que on va pas se laisser saboter. Et allez. Ton parc est sale, hein. Non, mais vraiment, contre son camp. Hein. La dernière fois que je suis venu, il y avait des méga poubelles dans ton parc. T'inquiète. C'est quoi? C'était les restes de KFC de la veille? Chez moi, il y a pas de KFC, les gars, il y a que des bananes. Non, bien mais ça évidemment. Dégoûte. Ah, même, faut que je cligne le parc. Même quand j'affronte pas Wick dans mes vidéos, j'affronte quand même quelqu'un qui défend Wick. C'est pas possible. Oh là mais là. Qui est pour les bananes? Qui est-ce qui oserait être pour les bananes? Enfin, franchement, un truc qui se mange. Tu vois, une poule, c'est vivant et tout, ça sert à quelque chose. Une banane, ça ne sert à rien, les gars. Ok, bon, moi, j'ai ma nouvelle attraction juste ici. Attends, est-ce que c'est une attraction? Le Super 8. Oh non, me dis pas que j'ai un grand 8 chez moi maintenant. Ne me dis pas que j'ai un grand. Mais non. Chez moi, let's go les gars. Bon, n'empêche que t'es pas le plus riche. Je dis ça, je dis rien. Attendez, faut que je nettoie encore mon parc là parce que il y a des nuisibles chez moi et je parle pas de chachou. Hop là, c'est nettoyé et maintenant faut vite que je repasse faire mon grand. Hop là, nouvelle attraction. Et c'est quoi ta nouvelle attraction au juste? C'est un. Oh, c'est une tour. Attends, je vais la tester, je te dis. Eh, y a mon chien, il voulait sortir. Ah, faut que je clean le parc. Vite, laisse-moi sortir. Allez. Pendant ce temps-là, moi je suis mon petit grand 8. Attends, mais il me fait pas gagner d'argent mon grand 8. Je suis dépité en fait, c'est une arnaque. Ouh, à quelques secondes près, j'avais pas le grand. J'avais les moins 10%. Ça aurait été dommage. Oh, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un raptor dans ma ville. Hop là. Let's go, les gars, on est sur un raptor. Bon, ça servira pas à grand-chose, donc on va quand même vite partir sur autre chose. Mais là, j'ai combien? Oh, j'ai pas mal d'argent. Est-ce que ça serait pas le moment de grandir notre parc? Alors ici, on peut s'acheter la Watchtower pour 20 000 $. Ici, on peut s'acheter le carrousel pour 25 000 $. Ici, acheter de la nourriture pour 35 000. Ici, on peut s'acheter un terrain de karting pour 45 000. Et la perle noire pour 45 000 aussi. Ok, autant vous dire qu'on va forcément commencer par les activités les moins chères. Mais par contre, déjà, ici, on a un méga dinosaure aussi. J'avais pas vu, mais en fait, c'est le parc des dinosaures. C'est quoi ce bordel? Bon, par contre, avec cette attraction, on gagne pas d'argent. Je me suis vraiment pas arnaqué. Aïe, aïe,
aïe aïe. Attends, c'est quelle attraction que t'as faite juste pour être sûr de pas la refaire? Ah bah je te dirai pas, la concurrence. Non, je me fais arnaquer. Bon, par contre, on va vite faire ça, parce que cette attraction, par contre, elle rapporte pas mal, ça fait plaisir. Et grâce à ça, on peut aller directement s'acheter une nouvelle attraction, la Watchtower. Et bah du coup, en fait, c'est celle qui rapporte pas d'argent, c'est ça? Je viens de me faire arnaquer, là. Totalement. Non, bon après, on peut profiter quand même. Regardez, ça tourne, ça tourne. Oh non, voix chachou, riche chess player. Non, ça va pas, ça va pas. Ah. Et je vois ton parc. Franchement, il a l'air dégueulasse vu de loin. Mais pardon, mais ça, c'est de la jalousie, en fait. Il est si moche. Même celui de l'autre, il est trop beau, trop kawaii. Non, 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 non. Vite, faut que je sorte de la parc d'attraction. J'ai des poubelles. Non, vite, comment on sort? Ok, faut sortir comme ça. Non, les gars, je me suis fait défoncer. Comment on sort de l'attraction avec. Comment on sort de l'attraction avec les grands 8 là? Ah, bah bonne question ça. Non, c'est quelle touche? C'est quelle touche? Allez, amuse-toi bien. Moi en attendant, je farme un petit peu d'argent là parce que j'ai du rattraper. Mais encore, j'ai encore perdu moitié de temps. Mais attends. Et moi j'ai même plus de déchets à enlever en plus. Me dis pas que t'as fait exprès en fait. Là je vais perdre que des 10%. Est-ce que je t'aurais saboté? La réponse est non, ouais. Je sais pas comment tu fais. Ah, par contre là, moi j'ai un truc aussi à clean up. Vite, vite, vite. Il est où? Faut pas que je fasse savoir. Mec, je hop là pas où est-ce qu'il est, bien, bien, on dirait que la richesse, la personne la plus riche, ça sera plus trop chachou là. Mais attends, je perds que des 10%, mais je trouve pas l'endroit où faut que je clean. Allez, moi en attendant, je m'achète un carrousel. Et attendez, est-ce que je peux aller dessus? Oh. Non, mais ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ça a bougé de place, let's go. Oh non, je suis dévité. Bah, par contre, je suis quand même passé devant toi en termes ouais, de score. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper. Et là, mon carrousel, il est fort sympathique, mais il ne m'apporte rien du tout. Du coup, je vais pas rester longtemps dessus. Attends, mais là, j'arrête pas de clean up le parc, il me saoule. Mais c'est vraiment dommage, hein, parce que moi, j'ai vraiment pas de problème, quoi. Et par contre, il y a un truc qui est terrible, c'est que bah, je suis obligé de faire une attraction qui me donne le vomi pour ensuite avoir de quoi gagner de l'argent. Donc ça, c'est vraiment triste. Et ce qui est triste aussi, c'est que... Non, 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 attends, j'ai le même problème que toi. J'ai un problème. Il est où, mon truc à jeter? Non, mais non, c'est pas ici. Ah, il est moins 10%, quoi? Non, je me prends le même problème. Où est-ce que je dois nettoyer? Où est-ce que je dois nettoyer? Je vois pas, non. Allez, karma maintenant. C'est ça le karma. Attends, là par contre, j'ai eu moins 10% alors que j'ai nettoyé. C'est une blague. Aïe, j'ai pris moins 10%. Aïe. Et les gars, attendez, regardez, je suis tout en haut. Je suis tout en haut de mon parc. Ok, ceci est un hold-up. Où est-ce que j'ai mes déchets? Il y en a aucun. Attendez, est-ce que je vois Chachou de ce côté-là? Mais c'est un truc de ouf. Y a rien, je te jure. Où est-ce que t'es, Chachou? Moi, je suis à côté du tunnel. Mais là, je vais perdre parce qu'il y a aucun déchet. Ah, c'est bon, j'ai un déchet. Là, vite. Ok, non mais je l'ai détruit, j'ai quand même eu moins 10%. Non, ça marche pas, il y a un bug dans son truc, c'est pas possible. Bon les gars, c'est pas grave, au final on est tous pénalisés parce qu'on a des problèmes de déchets qui sont invisibles, mais au final bon, on les a tous, donc c'est pas un problème. On va être juste en concurrence de qui aura le moins de déchets. Et en tout cas, moi j'ai suffisamment d'argent pour m'acheter un petit karting. Let's go les gars, regardez, et on a encore plus de dinos qui sont dessus, et encore plus de gens bien sûr qui sont dans notre parc. Ça c'est magnifique. Alors mais attendez, l'argent à chaque oh course. Je conduis un kart, let's go, je conduis un kart. Oh, c'est trop stylé, c'est incroyable. Chachou, tu devrais tester. Ok les gars, je m'en fous, maintenant je vais avec... Oh non, attendez, faut que je chine mon parc. Mais regardez les gars, je suis avec mon kart. Ah, faut que j'aille chez Chachou. Ah non, j'ai perdu mon kart. Non. Ok, bam. Ok, bon, par contre, je crois que j'ai un petit souci, c'est que mon kart, il est avec... Enfin, il est bloqué avec moi, en fait. Même quand je quitte l'attraction, j'ai un kart qui reste avec moi. Du coup, bah, c'est très bizarre. Regardez, par exemple, si je quitte... Ah non, c'est bon. Ok, parfait. Et par contre, j'ai un problème, c'est que je gagne plus d'argent parce que j'ai trop de déficits à cause des détritus qui sont dans mon parc et qui sont invisibles. Attendez, peut-être que je vais réussir à monter vite à 45 000 pour pouvoir acheter un truc. Vite, let's go. C'est fait. Du coup, on a une nouvelle attraction quand même, le Black Pearl. Et regardez, on peut le rejoindre. Bon, malheureusement, je suis tout seul, donc c'est un peu triste, quoi. Je fais une petite attraction tout seul. Ok, j'ai une nouvelle attraction, j'ai réussi. Et c'est quoi? Let's go. Un carrousel, mon gars. Et ouais. Ah ouais, bah ouais. Tu l'as, toi, le carrousel?
Ouais, je l'ai peut-être depuis genre 10 minutes, mais vas-y, y a pas de problème. Ouais, mais j'ai pas pu l'acheter avant. Ok, bon, moi je vais rester un petit peu en train de tanguer. Ça me fait... Oh, let's go, c'est bon! Attends, le carrousel, ça te fait gagner de l'argent? Non, ça... je perds plus d'argent là. J'ai plus de déchets. Attends, c'est quoi cette arnaque? Mais moi j'en ai! Oui, bah toi, moi j'en avais tout à l'heure alors que voilà. Ah, mais moi j'ai vraiment un déchet. Hop là, je l'enlève. Ah, mais ça me dit toujours clean up the park. Mais non, mais c'est de l'arnaque. Voilà, maintenant tu vas rester dans mon problème pendant longtemps, j'espère. Attendez, je vais m'acheter une vraie arme pour le coup, pour cette fois-ci pouvoir farmer les zombies au maximum et pouvoir aussi. Aussi farmer les chachous. Reviens par là. Reviens. Hop là. Non. T'es un mauvais joueur, Nathmore. Moi, mauvais joueur. Tu es un mauvais joueur. C'est pas moi en qui viens de me clean faire up. Tuer par quelqu'un. Let's go, on va clean up. Vas-y, attends, faut que je clean up le parc aussi. Ah mais c'est pas mon parc, il faut clean up en fait. C'est le tien, il y a écrit que c'est bien dégueulasse. Mais t'es juste jaloux, arrête. Non, mais je perds 10%. Eh ben, les gars, faut gagner de l'argent. Attendez, j'ai peut-être une stratégie pour... Attends, t'as 50 000 là? Là, je vais avoir ça. Let's go, j'ai 50 000. Je peux acheter une nouvelle partie. Incroyable. Let's go, les gars. Moi, ah, de mon côté, je me suis acheté un petit endroit pour avoir de la nourriture. Malheureusement, il n'y a toujours pas de poulet. Et là, c'est vrai qu'il faut 50 000 pour s'acheter la suite du parc. Ça, c'est terrible aussi. Ah, tu l'as pas, hein, cette partie, hein. Ouais, bah, en même temps, je perdais moins 10% un peu trop rapidement, j'ai l'impression. Ouais, et moi, tu crois quoi? Que je perdais rien? Voilà. Non, là, c'était un 10% que je pouvais éviter. Hé, hey, les zombies, ils sont forts, là. Bah alors, on a des petits problèmes face aux zombies? Non, aucun. Ok, tant mieux, alors. Ah, maintenant, je vais te tuer. Je suis en train de me faire tuer par les chiens. Alors, pourquoi t'as fui? Non, c'est juste qu'il y avait eu un truc à nettoyer. Pourquoi t'as fui? Attends, arrête d'être jaloux, en fait. T'es trop fort. Je suis trop fort, ouais, je sais. Non, mon parc est trop fort. Ah, je sais pas, mais en attendant, je vois qu'il y a une personne qui est plus riche qu'une autre. C'est tout ce que je vois. Malgré que je me prenne encore moins 10% parce qu'il y a un petit bug. Pas pour longtemps, d'accord. Allez, en attendant, on va vite monter, vite. Non. Vite. Non, pas. Non, j'ai perdu 5 000 d'un coup. Je sais plus de quoi m'acheter le parc. Allez, s'il vous plaît. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut s'acheter? Allez, vite. Ok, c'est bon, je débloque la suite. Alors, la suite, elle est juste ici. On peut s'acheter un service center. Ok, pourquoi pas. On peut s'acheter une nouvelle attraction qui s'appelle Twister. Incroyable. Ici on peut s'acheter des autos tamponneuses, ça coûte 260 000. Ici on peut s'acheter encore la suite du parc pour 150 000 et ici encore la suite pour 65 000. Autant vous dire que bah on va déjà peut-être essayer de s'acheter vite fait ce petit service center juste ici, ok. Et qu'est-ce qu'on a comme service? Oh, on peut s'acheter une sécurité. Et oh, ça il nous le faut les gars, ça il nous le faut. Il nous le faut vite, allez vite. Mon parc il est en faillite les gars, c'est pas possible. Oh, j'ai encore des détritus mais c'est bon, c'est nettoyé. Et surtout le problème ne sera plus présent dans quelques secondes. Allez vite, voilà, et let's go. Donc normalement maintenant je n'aurai plus aucun problème de moins 10%. J'espère, sinon c'est totalement buggé et je pleure. Allez s'il vous plaît, normalement dans 3 secondes j'ai plus de problème, s'il vous plaît. Quoi? Non, c'est une arnaque. Je perds quand même, attendez je tente de réparer. Tu perds du temps. Moi, en attendant, je vais essayer de m'acheter les cartes. Car j'avais pas vu qu'il y avait des cartes, en fait. Mais il y a plein d'attractions ici que j'avais pas achetées. Purée, les gars, ça va pas du tout. Et pourquoi je prends encore des moins 10% alors que j'ai un parc qui est totalement clean et que j'ai nettoyé les parcs des autres. Mais tu sais que j'ai nettoyé ton parc et celui de notre ami et je prends quand même des moins 10%. C'est honteux, vraiment honteux. En plus, j'ai un mec qui est censé nettoyer automatiquement ce que je fais. Bref, les gars, je suis dépité. Eh, monsieur le policier, c'est vous qui nettoyez le parc mal là? Parce que je me prends encore des moins 10% là, les taxes, ça va plus. Moi je vais péter un câble hein. Je vais vous buter au bout d'un moment. Mais en attendant je vais rien faire parce que bah, j'ai juste besoin que mon parc il s'agrandit. Et pour ça je crois que le plus rentable ça reste toujours cette attraction. À moins que ça soit le karting peut-être. Mais je dois clean un parc qui est propre, purée. Sinon chachou ça va parce que moi je voyais des déchets là dans ta petite Mais oui mais dans ton petit parc. À chaque fois ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. Ouais mais t'as pas l'air très concerné sur le fait de trier tes déchets quoi. Ouais et bah et alors tu vas faire quoi? Je vais appeler Wig pour qu'il vienne te régler tes comptes. Mais il me donne moins 10% alors que c'est propre. Pourquoi j'ai quelqu'un chez moi? Tu fais quoi chez moi frérot? À quoi tu joues? C'est pas moi. Pour une fois que c'est pas toi. Pour une fois? Bon par contre à force de me prendre des moins 10%, j'ai pas assez pour aller m'acheter le Twister à 80 000 là, j'ai le seum. Vous savez quoi? On va faire du karting, je crois que c'est ce qui rapporte le mieux. Hop là, c'est reparti. Et on se retrouve dès qu'on peut acheter la suite. Attendez, je vais avoir assez d'argent, vite, 5, 4, 3, 2, 1,
Let's go! Juste avant de me faire ruiner, j'ai acheté mon nouveau parc d'attractions. Et là, du coup, je peux aller dessus. Et wow! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ça part dans tous les sens! J'ai la tête qui tourne. Ça y est, j'ai la tête qui tourne. Au secours, les gars. En plus, ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. Je vois la grosse tête de Nightmare. Au secours. Lâchez-moi de cette vision d'horreur. Ah, tu vois la tête du joueur le plus riche, tu veux dire? T'as 100 000 de plus que moi. Comment t'as fait? Et ouais. Et je sais même pas comment j'ai fait. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai la tête qui tourne. Mais moi je veux sortir de mon attraction. Au secours. Ah les gars, je vous montre pas tout, mais je tourne depuis un peu trop longtemps là. J'ai la tête qui tourne. Je dirais pas quoi, mais je dois acheter ça. Plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Let's go. Faut pas le dire honnêtement les gars. Ok, attends, acheter quoi? Après, si tu parles d'acheter le fait de nettoyer automatiquement, bah ça marche pas. Oui, effectivement ça ne marche pas. Vu que je suis ruiné jusqu'au bout des os à cause de ces moins 10% qui apparaissent de nulle part. J'ai la malédiction des moins 10%. C'est terrible. Nous avons ce signal. Et par contre, toi tu m'as tué, donc toi tu vas dégager. Alors là, c'est n'importe quoi frère. Il a osé me tuer. Allez, moi j'achète la suite du chemin juste ici et je peux m'acheter une maison hantée et une balade d'amoureux. Oh, ça c'est incroyable. T'as combien d'argent là pour savoir juste Là j'en ai 20 000, là je viens de dépenser 65 000, je suis pauvre, au secours. Je suis à 20 000 là alors que j'ai rien acheté. C'est pas grave les gars, on continue, on n'abandonne pas. Mais j'ai clean up ton parc. Au secours, j'en peux vraiment plus. Les gars, c'est le pire tycoon que j'ai pu faire. Faut vraiment juste faire une attraction où tu tournes en boucle. C'est laquelle? C'est celle qui coûte soit 80 000. Ah punaise, je veux pas. En tout cas, très belle map. Tu la trouves comment toi? Eh bien, franchement, si je sors un petit peu de cette attraction, je trouve que la map est super bien faite. À part le problème des poubelles, parce que moi j'en ai plus. Oh attends, il y a des télécommandes juste ici, c'est quoi? Oh! Attends, quoi? Quoi? C'est quoi ce bordel? Je peux poser des chaises et des bancs sur la map? Chachou, attends, j'arrive! Je suis en train d'installer des lampadaires, moi. Ah, toi aussi, tu peux poser des lampadaires. Non, mais voilà, on parlait de la map de sa qualité, les gars, c'est magnifique, regardez. On peut décider de poser des lampadaires devant pour décorer encore plus. Alors, attendez, Oh, les gars, j'ai trouvé un truc. J'ai une technique, les gars, j'ai une technique. On va faire ça, ça. Je suis sûr que t'as la même que moi. Regardez exactement, c'est ça mon idée. On va faire ça. Comme ça, on sera plus dérangé. Pareil, ici, ça s'enchaîne. Et là aussi. Et on rajoute un petit peu de ça, pareil. Et là, bam, voilà. Je suis sûr que t'as la même idée que moi. Ah ouais, tu penses? Ouais, moi, je suis en train d'installer des poubelles un peu partout. Je sais pas pour toi. T'as des poubelles, toi? Bah ouais. Ah, t'as pas de poubelles. Bon, en attendant, ça a rentré dans ma situation. Comment est-ce que t'as eu des poubelles, toi? Ah ah, secret. Ça doit être ici. Ici, ça, c'est une poubelle? Oh oui. Les gars, c'est bon, là. J'aurais jamais dû lui dire. Triez vos déchets. Là, devant tous les restaurants, de nourriture, posez vos déchets dans les poubelles, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Moi, j'avais pas vu, mais j'en ai mis partout. Voilà, j'en ai vraiment mis beaucoup ici, au secours. J'abandonne le plan. Oh, par contre, j'avais pas vu combien d'argent j'avais. Vite. Faut que je les dépense. T'es plus riche que moi, ça va pas du tout, les gars. Ça va pas. On peut s'acheter une maison hantée, mais juste avant, on pose un petit banc. Et allez, let's go. C'est fait, maison hantée. Coming soon. Non, on peut pas la jouer. Je peux pas jouer la maison hantée que j'ai achetée. Non, elle est encore en construction. Haha, moi, je suis en train de profiter de mon parc, perso. Mais comment ça, profiter? Qu'est-ce que t'as fait de beau pour profiter? Hop là. Bah, j'ai le droit de faire les attractions de mon propre parc. Ah, ok. Bien sûr, par contre, bien sûr. Il y a un banc qui était là, on sait pas pourquoi. Hein. Bon, moi, le prochain objectif, là, ça va être forcément d'acheter la petite rivière des amoureux. Mais en attendant, les gars, je crois qu'on va retourner au cauchemar, c'est-à-dire faire une attraction qui tourne la tête. Vite, il me reste quelques secondes, vite, pour acheter 5, 4, 3, avant de perdre tout l'argent, c'est bon! Oh, on a du coup le droit à notre petite balade. Ah non, non, même pas? Je peux même pas utiliser? Quoi? C'est quoi cette arnaque? C'est peut-être parce que j'ai pas de personne pour aller dans le parc des amoureux. Je suis dépité, j'ai acheté la rivière des amoureux, mais je peux même pas aller dessus pour y faire quelque chose. Vous savez quoi? Je la condamne. Une amoureuse, les gars. Trouver une amoureuse à la banane? Non, il n'y a pas besoin, t'inquiète, parce que dans tous les cas, je condamne le parc d'attractions. Voilà, vous n'y aurez plus accès, les gars. Allez, hop là, c'est bon. Pourquoi? Parce que je veux pas que les gens soient heureux. Oh, non, je rigole. Vous avez vu, les gars, c'est ça le visage de votre banane. Non, je rigole, je rigole. Mais t'as beaucoup plus d'argent que moi, ça va pas du tout, ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ah ouais, j'ai combien d'argent de plus? Oh, j'ai 300 000 de plus, limite. Oh. Attendez.
Non, bah ouais, bah, je vais tomber, les gars. Prenez le temps de vous accrocher avec une ceinture hein, quand vous faites les attractions. Petit conseil, si jamais vous voulez pas décéder, voilà. Ok, moi c'est reparti, je me remets dans l'attraction et je gagne tellement d'argent, mais il m'en faut 150 000. Est-ce que je vais avoir les 150 000 avant la fin du chronomètre? Je suis à 135, 136, 137, 138. Vite, 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 faut que j'aille en même temps à l'endroit directement pour déclencher. Mais t'es tellement plus avancé que moi. Oh là là, les gars, non. Ça va pas du tout. Pas du tout. Non mais ça va pas du tout parce qu'au final j'ai pas eu assez de monnaie à temps. Et peut-être que là j'aurai les 150 000. Allez s'il vous plaît, avant que je perde de nouveau 10%, laissez-moi monter à 150 000. Oui, oui, oui. 6, 5, 4, 3, 2... Et let's go, on s'achète la suite. Alors, ici, on a le droit à des auto-tamponneuses qui coûteront par contre 260 000. À côté de ça, par contre, pour 160 000, on peut avoir de la nourriture. Ici, on peut avoir un ferry pour 360 000 par contre. Encore de la nourriture pour 160 000. Et le méga roller coaster de la fin pour 600 000. Autant vous dire qu'on n'y est pas encore, les gars. Bon, j'ai l'impression par contre que ce qui rapporte, c'est d'aller dans cette attraction. Donc, les gars, on se retrouve dès qu'on est à 160 000. Hein. Comme ça, on achète directement un petit peu de nourriture à la recherche du fameux poulet. Moi, je vais renvoyer la femme de ménage. Hein. Ça va pas du tout. C'est vrai que cette femme de ménage, on en a marre. Remboursée. En plus, on doit la payer une blinde. Tout ça pour qu'elle nous laisse des déchets de partout. Non, mais bon, on va s'acheter un petit peu de nourriture vite. Paf, c'est magnifique. Et maintenant, eh bien, on est de nouveau pauvres, les gars. Donc, on repart justement pour faire un petit peu de farm. Ok, et là, faut que je me dépêche. Normalement, je pourrais m'acheter la food juste avant que ça reset. Let's go, parfait. Nous voilà donc avec... Non, mais... Donnez-moi du KFC. Donnez-moi du KFC. Ok, je vais péter un câble. Chachou, je vais regarder si t'as pas du KFC chez toi. C'est bon. Tu peux aller regarder si tu veux. Par contre, fais pas gaffe aux poubelles, en fait. Quand les gens, ils nettoient. Si elles sont un peu mal placées. Ouais. Je m'y rends tout de suite. Attends, est-ce que j'ai un endroit où je peux sortir de chez moi, en fait? Ah si. Haha, t'es coincé. Ah si, je peux rentrer, mais est-ce que je peux rentrer? Ouais, c'est bon, c'est parfait, ok les gars. Heureusement, je me suis laissé un petit espace, sinon ça aurait été un petit peu triste que je sois coincé chez moi. J'arrive, chachou, j'arrive. Moi, je suis en train de profiter de mon attraction. T'as des bons, ils sont placés n'importe comment. C'est quoi ce bordel? Au départ, j'avais pas compris à quoi ça servait. Où est-ce que t'es? Je suis en train de faire mon attraction. Laisse-moi profiter un peu, je veux pas d'une banane avec moi. Ah, pardon? Pardon, t'as dit quoi? Allez, ça dégage. Eh, c'est un prêtre, mais c'est un prêtre, là. Non, je rigole, je voulais juste que te débloquer ton attraction. Ça va, Chachou, t'es où? Ah, mais pourquoi il y a des bancs, là? C'est pas moi qui les ai mis, là. Attends, je peux les mettre... Oh, arrête. Oh. non, je rigole. Ah, je rigolais. Allez, on va rajouter des bancs. Mais dégage de chez moi tout de suite. On va rajouter des poubelles. Oh là 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 là. Regardez cette anti-joie. Il sait que je vais gagner. C'est arrête. Magnifique. Les gars, on peut faire un test run poubelle chez Chachou maintenant. C'est la nouvelle expérience, la nouvelle sensation. Arrête. Non, je vais... Pourquoi je ne gagne jamais? Putain, t'es un anti-joueur maintenant, ça suffit maintenant. La nouvelle sensationnelle ce soir. Zibardi. Non, je te rajoute des bancs parce que je sais que des fois tu veux t'asseoir. Arrête. Attends. Arrête ça tout de suite. Je monte un peu vite fait. Mais t'es... Non, mais t'as gâché mon parc d'attractions. Ah, je peux les détruire. Ah, je suis tombé. Au secours. Je vais te tuer. Bah alors, Chachou, t'as plus non, de... Tu peux plus rien faire. Ah là 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 là, c'est tellement dommage. C'est pas juste les gars, c'est un menti joueur. Non, je suis désolé, Chachou, je voulais pas en venir à là, mais malheureusement, c'est parce juste que tu savais que j'allais ce qui a fini par arriver. Mais regardez mon parc d'attractions, les gars, à l'aide, quoi. Ah, t'inquiète, ils l'ont bien vu, là. Je pense que maintenant, ils ont presque envie d'aller plus chez toi que chez moi, en fait, tellement il est magnifique. Ouais, bah venez réparer la bêtise de notre merde, là. Waouh, quoi? Même moi, j'aurais pas osé. Allez, par contre, j'ai presque ce qu'il faut maintenant pour m'acheter le bumper cars, les voitures tamponneuses. Pour ça, il me manque que 30 000. Mais non, je vais me perdre 20 000 vu qu'il me manque plus que 30 000. Ah, du coup, on va se dépêcher, on va faire un peu d'attraction si ça peut augmenter plus rapidement. Allez, s'il vous plaît, il nous faut du 260 000. Vite. Non, on va encore tout perdre. Non, regardez, je suis si proche et maintenant, je suis si loin. Mais par contre, c'est la prochaine. La prochaine, c'est la bonne. Voilà, je suis bien en train de faire une attraction. Je veux gagner de l'argent. J'en ai marre de ce clean-up là. J'intéresse qu'ils partent au bout d'un moment.
Allez, allez, allez. Non, 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 non. Il me manquait presque rien pour avoir ce qu'il faut, mais toujours pas. C'est pas grave. On est à 245, 246, 250. Ok, on va y être, on va y être. Allez, et on s'achète enfin les auto-tamponneuses. Oh mon dieu. Déjà ? Ok, let's go, regardez les gars. Je peux carrément conduire et diriger à ma guise l'auto-tamponneuse. Et là, je suis juste triste d'un truc, c'est que je n'ai pas d'ennemis. I have no enemies. Mais ouais, mais là, il va me battre, c'est pas possible. Si vous voulez me soutenir, mettez le code NATMORT dans la boutique. Ouais, franchement, j'aurais pas dit mieux. Attendez, attendez. Je prends ma auto-tamponneuse et je vais faire du karting avec, les gars. Allez, let's go, let's go. Regardez, je vais au karting et c'est parti. On fait de l'auto-tamponneuse sur du karting. Ok, ensuite, regarde. Oh non, non, j'ai crash. Oh, la non, défaite de NATMORT. Non, j'ai black screen. La défaite de NATMORT sur un crash, ce serait pas magnifique. Non, mais c'est trop grave, j'ai black screen. Bon, Chachou, on se retrouve parce que on a eu un petit problème. En fait, actuellement, je suis sur la map, mais en fait, je suis pas sur la bonne version de la map. Car malheureusement, j'ai crash après 45 minutes de jeu. Donc, c'est vraiment juste pas de chance. Et c'est la première fois que ça arrive. Mais malheureusement, les gars, je vais juste vous montrer quand même à quoi ressemblaient les fameuses attractions que vous avez pas eu le temps de découvrir. Donc, malheureusement, j'aurai pas l'occasion de faire le roller coaster ni de faire aussi l'autre attraction qui était disponible. Mais en tout cas, je vous les affiche juste ici. Chachou, en tout cas, j'espère que bah, t'auras aimé te faire poutrer à ce petit 1v1. Pardon, mais bien sûr que non, je t'ai battu, mec. Vu que t'as perdu, t'as quitté, t'as perdu. Non, mais bah, en fait, c'est la dernière image que j'ai en tête qui compte. Et bah, c'était une image où il y avait une petite banane avec écrit le plus riche dessus, quoi. C'était qu'un bug, c'était qu'un bug. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, décidez qui a gagné dans les commentaires, les gars. Malheureusement, nous, ça s'arrêtera là. Il y a d'autres vidéos qui, pour le coup, se sont toutes passées bien. Donc, sans bug des moins 10% et sans problème de crash qui sont disponibles et qui sont déjà affichés depuis quelques secondes. N'hésitez pas à aller les voir. Et sur ce, je vous laisse les gars. Bonne journée à vous. Voilà. Et je meurs parce que je suis un caca.